parle en direct de cette 17e étape du Tour de France. Le peloton, énorme machine de muscles et d'acier, vient de s'élancer. Monter en danseuse, appuyer sur la pédale, surveiller son braquet. Que d'épreuves pour ces jeunes hommes qui, en attendant l'auréole de la victoire, se contentent de celle de la sueur qui laisse dans son sillage ce trait de musc que connaissent bien les supporters massés le long des routes. Pédalage et défonçage sont les mamelles du Tour de France, alors ils se défoncent car la ligne est encore loin. Alors que le peloton n'est plus qu'un souvenir, le glas des premiers abandons résonne dans la montagne. Que la montagne est belle,
comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. N'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, okay. Une année bonne et l'autre non. Et sans vacances, sans sortir, les filles veulent. Les vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures,